À cause du COVID, on n'avait pas vraiment de saison. Nous, les dynamiques, on s'est dit, bien, on va essayer de faire une saison avec ce qu'on a. C'est la paye, là, de voir les jeunes qui sourient puis qui sont contents. Tous les parents ils ont porté le masque, tout le monde a respecté ça. Ça, j'ai été vraiment, vraiment content de ça. Puis de voir les jeunes qui peuvent se revoir puis compétitionner ensemble, super. Quand il y a eu la COVID-19, les courses ils ont comme slacké. Fait que là, tu sais, on a fait un peu de vélo montagne, mais on a continué à travailler fort, à faire de la route, faire des grosses sorties pour se préparer au championnat québécois puis pour gagner le cumulatif. À cause du COVID, j'avais pas mal perdu. Bien, j'ai continué à m'entraîner, mais j'avais plus trop d'objectifs. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait le championnat québécois, là, j'ai fait « OK, on va essayer d'aller chercher. » Puis ça a marché, ça a bien été. Bien, moi, je le savais que où j'avais le moins de chances de performer, c'était au corps de la montre. Fait que je voulais vraiment y aller là, pour le tout. Puis là, on a fini dans la même seconde avec le troisième puis le quatrième. Fait que j'étais vraiment content d'avoir fini deuxième. Au critérium, ça glissait vraiment dans les virages. Des fois, on se sentait tassé sur le côté, mais ça allait bien. Puis j'étais content à fin au sprint. J'étais content de mon arrivée. T'sais, au début de l'été, on savait pas trop comment ça allait se passer les courses. Quand il y a eu l'apparition des Québécois, qu'on savait qu'il allait avoir lieu, ça a vraiment été tout le focus sur l'entraînement pour pouvoir participer au championnat québécois. Ça a vraiment été d'y aller course par course, puis finalement, j'ai le maillot, puis je suis vraiment contente. Je vais partir peut-être en échappée avec des gens, mais en fin de compte, je suis partie comme au départ. Puis vraiment, 32 km tout seul, c'est quand même long. Puis il y avait du vent intense, mais j'aime ça, tout seul dans le vent. C'est quand même bien.